Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Nous sommes jeudi 12 octobre 2023. Priez le matin au réveil, même brièvement, transforme notre journée. En reconnaissant que Dieu crée chaque jour nouveau et en lui exprimant notre gratitude, mettons-nous en sa présence. Disposons-nous à recevoir sa joie et sa paix. Il n'y a rien de mieux que de prier pour offrir sa journée au Seigneur dès le réveil. Cela nous donne la force. Cela nous permet de commencer la journée de manière positive et d'affronter toutes les difficultés avec l'aide de Dieu. Je me tourne vers le Seigneur pour le prier en disant: Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui aux intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes, en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur ta demeure, un temple sacré. Ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père, tu es le chemin. Ton sang versé sur la croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel. Merci Seigneur Jésus, Fils de Dieu, d'être mort sur la croix pour moi et pour le fait que ton sang me purifie maintenant de tout péché. En mourant sur la croix, tu as brisé la puissance du péché et du diable. Par le baptême, j'ai été enterré dans ta mort. Avant de mourir, tu as dit « j'ai soif ». Ce n'était pas seulement de la soif physique, mais un désir intérieur pour l'accomplissement de l'œuvre du salut. Jésus, à présent avec toi, j'ai soif de mon salut et du salut de mon prochain. En criant « Élie, Élie, lama sabachthani », tu as exprimé le moment du combat le plus dur, qu'en prenant également tous mes péchés, tu as été torturé par les démons des ténèbres. En criant « Tout est accompli », tu as terminé l'œuvre du salut. Le diable et le péché ont été vaincus. Il n'y a rien à ajouter. Je dois simplement le recevoir et le réaliser. Tes derniers mots sont le point culminant de ta mort et se rapportent à moi aussi. Ces mots expriment le moment de ta mort rédemptrice pour moi. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mon Seigneur Jésus, par le baptême, j'ai été enterré dans ta victoire sur la croix. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Agréable journée et à bientôt.